d'abonnement et de dons. D'accord. De formation. C'est bien, il est... pas mal. Ok bro. Ok bro. En français c'est mieux. Vérifie que tout est bon, parce que si jamais on t'entend pas, je vais encore en entendre parler pendant je sais pas combien de temps. Et puis derrière il faut que je vois si notre voix, est-ce qu'elle est couverte ou non par le son du jeu. Une petite soif. Là tu vois, c'est le son du A1. A1 c'est dans mon speaker. En fait c'est ce son là. J'aimerais baisser le son du jeu. Voilà. Là ça me paraît déjà pas mal, tu vois. Là par contre si t'entends pas trop. Parfait. Il est bien ? Ouais. Voilà. Comme ça au moins les gens entendent quand même un peu le son du jeu. Nous comme on est un peu plus loin des micros quand on est deux. On va augmenter. Bref. Bonjour à tous. C'est le Lucas. Et aujourd'hui, Lydia Lucas m'empêche de monter avec vous. Et ça va être de ma faute. Je lui ai juste proposé. Si tu veux, ce soir je suis libre, on peut jouer à Crash Bandicoot. Forcément, il faut qu'il mette tout son album. Allez. Je vois pas le rapport avec les dames. Parce qu'il y a une autre partie dans les sauvegardes qui s'appelle test. Je crois que c'était la fois où j'ai voulu tester si oui ou non il y avait le bug. Coucou coucou. Coucou coucou. Petite cinématique. Belle. Ah. Imbécile. Idiot. Abruti. Vous êtes vraiment des incapables. D'après mes sources, les statistiques de propagation du mal sont lamentables. Ouka ouka, ce n'est pas notre faute. C'est celle de ce maudit Bandicoot. Je ne laisserai rien ni personne contrarier la volonté du mal. Surtout pas Marsupial Orange sans cervelle. Crash doit être éliminé. On ressortit un Crash Bandicoot 4. Est-il nécessaire de vous rappeler que Crash trouve toujours un moyen de faire échouer nos plans? En fait, c'était prévu que ce soit un Crash Bandicoot 4, mais il n'avait pas été fait par la même boîte que par les mêmes développeurs que tous les 5 avec un bon plan, bande de minables. Pour ceux de base, des développeurs de base, etc. Bah, comment puis-je me fourrer dans de telles situations? Pas un 4, celui-là. Alors que c'est le 4 de base. Il doit bien y avoir une solution. Docteur. Voilà. N'êtes-vous pas en train de mettre au point une nouvelle arme secrète dans votre laboratoire? Je ne vois pas de quoi tu parles, Sophie. Docteur Cortex, je crois qu'il fait référence à l'arme super secrète sur laquelle vous travaillez jour et nuit depuis la dernière fois où Crash vous a vaincu. Assez de chamaillerie. Avons-nous un plan? C'était surtout le... Lors de mes travaux scientifiques, j'ai créé une super arme génétiquement améliorée d'une puissance incroyable. Il ne me manque plus qu'une source d'énergie suffisante. Quand on prenait à chaque fois le pouvoir d'un masque, c'était les éléments. Oui, les masques des éléments. Oui, les masques des éléments. C'est ça. Si je libère leur énergie destructrice, j'aurai assez de puissance pour mon arme secrète. Je pourrais aplatir les montagnes et démolir des villes entières. Et Crash Bandicoot disparaîtra jamais de la surface de la Terre. Prépare-toi à affronter ma vengeance, Crash Bandicoot. Voilà.
Hey bro. Vas-y Crash. J'en sais rien, c'est la PS2. Génial, tu te débrouilles très bien Crash. Ça va, mon panache là. Que se passe-t-il ? Non, c'est impossible. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Pas que se passe-t-il ? Oh non ! L'épisode avec Gabriel Crash Knight, attention. C'est un point and click, mais avec un mec qui parle un petit peu, quoi. Rien de cassé. On dirait qu'Ukauka, mon jumeau maléfique, nous prépare encore un sale. Je dois découvrir ce qu'il manigance. Et il y a un moment, il y a des villageois. En fait, c'est un mec qui enquête sur une histoire de loup-garou et tout. Et il y a un loup-garou, apparemment, il a enlevé un bébé, tu vois. C'est... Ah, bonjour, les villageois, sont misérable jumeau. Je t'écoute, Ukauka. Il a pris l'enfant. Quel plan diabolique as-tu encore imaginé avec le docteur Cortex ? Pas de problème. Juste quelques vieilles connaissances en visite. La base des parents sont morts. Non, pas les masques des éléments. Ukauka, qu'est-ce qui t'a pris de les libérer ? Tu as déjà oublié ce qui s'est passé la dernière le fois dans les Ils sont donc responsables de quelques rats de marée, tremblements de terre et de la petite ère glaciaire qui a sévi il y a plusieurs siècles. Sont dans le bac à l'âge, là. Tu ne peux pas les contrôler, Ukauka. Ils sont bien trop dangereux. Nous pourrions tous périr. Au contraire, Aquaco. C'est le début de la fin pour vous et votre précieuse planète. Ukauka et Aquaco. Détruisez-le. Boum, les gars. Donc Crash Bandicoot, on avait tu fait la trilogie. Tu ne t'en pas comme ça. Personne ne pourra nous arrêter. Coco, c'est exactement ce que je craignais. Ukauka et le docteur Cortex ont libéré un groupe de masques destructeurs appelés masques des éléments. Avec les cochons. Nous devons les arrêter avant qu'ils ne détruisent la Terre et ses habitants. Rien que ça, tu sais que tu joues à Crash déjà, parce que cette phrase n'a aucun sens. Le seul moyen d'arrêter les masques des éléments est de les emprisonner en utilisant les cristaux antiques. Pour renvoyer un masque des éléments dans son état d'hibernation, il faut récupérer 5 cristaux. Ne perdons pas de temps. Coco, où en es-tu de la nouvelle chambre de téléportation sur laquelle tu travaillais? C'est bientôt prêt. Bah pourquoi se quelques petits réglages ici et là, et ce sera prêt à fonctionner. Bien joué, Coco. Profitons-en pour effectuer un petit test. Un peu comme Hero 4 Crozer, tu peux pas chercher à l'affronter quand tu peux le battre au côté. Donc on a moi, j'expose quand même une réticence sur ce jeu en émulation. Parce qu'en émulation, normalement, il y a un endroit où, la dernière fois qu'on a joué, ça a bugué. Entre temps, j'ai refait un test. Par contre, j'ai aucune idée de si oui ou non. J'étais arrivé jusqu'au moment où ça bug. Bon. On verra bien. C'est pas comme la première fois que je l'ai passé, donc totalement. Ok, tous les systèmes sont prêts et opérationnels. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. Ah non, j'allais dire. T'empêches une chose, Crash Bandicoot, à la PS2. Mon ennemi juré. Les temps de chargement sont plus rapides. Qu'est-ce que tu deviens? Parce que les temps de chargement sur la PS2. Les habitudes ont un peu dur, n'est-ce pas? T'avais le temps d'aller te chercher à boire et de revenir. Quelque chose de plus le temps de chargement était pas intriguant. Voici Crash, ma dernière création. Évidemment, on possède le jeu. C'est ça la créature qui sabote à chaque fois vos plans de génie? Vous plaisantez? Je ne vais faire qu'une bouchée de ce petit rat. Ouais, pour moi, c'est lui le méchant, en fait. Allons, Crunch. Tu vas bientôt affronter Crunch. Crunch. N'est-il pas incroyable? C'est un digne représentant de mon génie scientifique. Ça Crunch et Crash. Ça ressemble à Crash, mais c'était pas... Mais oui, on fait tous des erreurs. C'est du Crunch. Crunch. Voilà. Et on est parti. Donc le monde se décompose en 5 mondes. Le monde se décompose en 5 mondes. Bah oui, le grand monde, donc ce, voilà,
Ça décompose 5 petits mondes, 5 petits stages si tu préfères. Et pour pouvoir accéder au stage du boss, il faut avoir des... Je crois qu'il faut finir 4 ou 5. Je sais pas s'il faut finir 4. Il faut finir... Il faut tous les finir, mais il faut avoir le cristal à chaque fois. Ouais, c'est ça. Alors sachant que là, il y a des petits cristaux... L'encre, c'est pour le temps. Ça, c'est le temps. Le grand, là, c'est le stage de fin de niveau. Il y en a un, c'est les caisses. Et il y en a un, c'est le stage un peu de la mort qui tue, mais il faut le débloquer. Qu'est-ce que tu regardes, tête de poil? Je suis Rocco, l'élémentaire. Je suis Rocco. Et le docteur Cortex m'ont sorti de mon sommeil. Moi aussi, un petit et maintenant, peu, je suis libre de cultiver tout ce qui se trouvera sur mon chemin. Oh, oh. N'essaie même pas de récupérer les cristaux, pauvre Nabo. Mais il me fatigue. Je t'enterre vif. Oh, oh Rocco. Tu me fatigues. Allez, montre-nous tes talents. Et... Ça coupire. Tournez. Okay. Je reprends le jeu dans les pattes. Oh oui, normal. Loco, toi, vagin. Alors, comme tous les autres Crash Bandicoot, celui-là est difficile. Je crois pas qu'il y ait un Crash Bandicoot facile. Peut-être les récents, tu sais, celui où il pouvait se transformer en... Ah non, c'est Sonic. Sonic pouvait se transformer en Loup-Garou. Sonic Unleashed, je pense, comme ça. Alors que Crash, c'est Crash Titan. Il peut prendre possession des ennemis, il peut les contrôler, je crois. Je sais pas ce qu'il donne, ce Crash. J'ai jamais joué, je crois que c'est... Maintenant, ça doit être un sacré long de que j'ai pas joué. Ouais, j'avais... Une amie, un truc comme ça. Là oui, j'avais joué. Crash tout le monde. Ouais, c'est comme ça. Ou pas Nitro. Et quand je dis les récents, relatif, hein, celui-là de 2001, je dois parler des 2008, voilà, parce qu'entre temps, bah, il y a eu Crash Bandicoot 4. Se veut dans la lignée Crash Bandicoot Trilogie. Oui, il me semble qu'il est dur. Pas grave si ça va vite. En montant. Ouais. Le timer qu'on a finalement c'est... Bravo Hello. Ouais parce que t'es redescendu en tournant dessus. Ah oui je voulais essayer d'avoir la caisse. Mais comme ça va pas aller. Moi ce crash là, je suis presque sûr que j'avais joué avec un CD démo, mais je crois que j'ai l'impression de me répéter parce qu'ils disent que je te l'avais déjà dit quand on y avait joué. Possible, hein. Non, on y avait déjà joué, mais sans streamer, tu vois, juste comme ça. En mode bah. Il y a un Crash Bandicoot sur PS2. Je crois qu'il y a aussi sur GameCube, mais je suis pas sûr. Et en fait, il y a des niveaux où t'es dans une bulle, ou t'as des niveaux où tu te bats avec Cortex. Tu peux contrôler, mais sans plus, tu vois. Pas ce truc. Il faut faire avec la gâchette aussi, je crois. Et. Oh, normalement, tu sautes en hauteur. Bon, ces caisses-là, si tu les pètes en tornade, c'est du gâchis. Toi, normalement, tu peux casser ça là, avec. Faut faire un plan. Avec la gâchette. Non, oh, c'est, non, mais. Et tu fais la gâchette. Oui, mais c'est parce que je veux monter au moins au-dessus. Bah, si tu fais ça, ça marche aussi. La gâchette. Ah, ouais. Celle qui connaît le jeu, c'est moi qui lui apprends. Ben non, mais les boutons, moi.
même PlayStation que t'as dans les mains, tu vas pas commencer à nous casser des bonbons, elle a pas changé depuis la PS2. Hein. Je déconne pas les boutons, moi je joue rarement aux jeux vidéo, monsieur. Ah bon? Ah, en tout cas, Crash Bandicoot, oui, c'est rare. Là, si tu en... quand t'es au point culminant... Non, on s'en fout. C'est une pomme. Voilà. Au point culminant, t'appuies sur le plat. En fait, il a une petite animation où il fait le plat, et ben ça te permet de monter légèrement plus haut. Eh oui, Jamy. Ah, je fais le malin parce que celui-là, j'avais ce stage-là en démo. La patoune. C'est même bizarre que Crash il ait disparu pendant je sais pas combien d'années quasiment. Alors il était là mais c'est un peu qu'ils ont ressorti un jeu Crash Bandicoot. C'est je sais pas si c'est un party game à la Mario Party. Ils ont ressorti un jeu. Voilà, c'est des mini-jeux principalement. On essaye. Vache, bonne écoute. C'est marrant parce que quand j'ai fini Donkey Kong Country 3, j'ai dit ouais, je peux enchaîner avec Tropical Freeze, World ou Galaxy, tu vois. J'ai quand même avoué que je vais pas refaire un jeu de plateforme tout de suite après en avoir enchaîné. Évidemment, les diables ont été bout de sonde, du bois craint. Oh non! Ah, c'est... Oh! Je sais pas pour faire plaisir à sa femme. Est-ce que je t'ai dit? Est-ce que je t'ai déjà déçu? Je ne crois pas! Tu as demandé quelque chose, tu l'as toujours? Alors que moi, des fois, quand je demande mon café... Aïe! Mais quoi? J'ai glissé, chef. T'es concentré. Déconne pas, je crois que tu dois recommencer le stage de l'année. Tu m'as déconcentré. Pas sûr, hein. Des problèmes, toi, Coco. Ça, c'est quoi, non? Entre nous, que ce que tu as fait tout à l'heure n'était pas la chance du débutant. Je pense a besoin d'une vraie gameuse. En vrai c'est marrant parce que t'es toujours là plein de jeux Mario en mode non mais il est banane il de Mario gnagnagna. Et là Crash Bandicoot t'as quand même des sauts vachement précis quoi. On va le voir le. Parce que tu vas avoir le. Attends, c'est le petit diamant quand tu fais quoi.
Mais je vous la prends. Pareil, uniquement quand tu... Pour ça, ou c'est parce que... Comme je suis morte au bras... Comment, je voudrais vérifier. Non. À mon avis, faut pas mourir du stade. Il y avoir le droit. T'as le droit de... Ah oui, stage... c'est l'autre gène là. Ouais, c'est ça. C'est quand tu meurs pas du stage en fait. La langue, je sais que c'est le temps. Oui. Ça, y a pas de problème. Et en fait, pour avoir le droit à la plateforme de la mort qui tue là, qui est sur la... En fait, faut pas que tu meurs. Toi, n'est pas trop compliqué parce qu'au final, t'es mort, mais bon. Voilà. Plus de l'explosif, quoi, le temps de tourner avec le jeu. C'est ça. Ah non, tu... c'est quoi? La grande entourloupe. Okay. Parce que tu connais les niveaux, toi? Ouais, la grande entourloupe, je m'en souviens. C'était dans une boule, style boule à hamster. Ah oui, les fameux niveaux que je disais. Ah ouais. Ah, vraiment, ces niveaux-là. Ça va être pas bien. Oh putain, je crois qu'on va rigoler. Le rigolo, c'est tout ça. Ah, de péter toutes les caisses. N'empêche que, finalement, quand je vends du coup, je regarde. Parce que je sais pas si tu sais, mais dans Ratchet & Clank, dans Sly Raccoon, il y avait exactement les mêmes trucs que... Là aussi, c'est un mini-jeu où t'es en avion et tu dois péter des objectifs. Dans Spyro aussi, finalement, t'as des trucs comme ça. Mais c'est Dark Squadron. Wag, ma chérie, Wag. PSP d'un coup le jeu de jeu d'expert. Enfin, je crois que c'est Dark Star. Et ouais, ok. Je l'ai fait sur un vrai. Oh, moi je l'ai fait avec Alexandre. On l'a pas. Bah moi j'avais avec mon petit frère. Ouais, je regarde s'ils ont fait une réédition de ce truc là. Parce qu'ils ont fait la même chose avec Clank. Clank il a eu son jeu lui de Ratchet. En fait, c'est pour ça que je dis c'est marrant parce que quand tu regardes, ce sont tous quoi, les jeux Sony qui ont essayé tous les jeux où vous avez leur mascotte, que ce soit Crash, que ce soit Ratchet, que ce soit Spyro, que ce soit Dungeon Buster, du coup, par exemple, Sly. Ils ont tous des fois des trucs comme ça où tout d'un coup ils sont en avion. Et avec un exemple. J'ai jamais eu l'occasion d'y jouer, moi, en fait, au jeu d'Axter. C'est bien que tu avais une mission un peu à la Matrix et tout, c'était sympa. Après, j'ai fait que le début, parce que la PSP, c'était pas à moi, c'était à mon frère, et c'était sa PSP. Donc il m'a laissé jouer, peu. Il m'a laissé jouer à Tekken aussi, sur la PSP, hein, Tekken. Et c'est tout, hein. Après, c'était sa PSP. Surtout à ce temps-là, Alexandre. Ouais. Tu me cherches le bon d'écoute, hein? Mauviette! T'avances qu'elle en dehors. Oh oui! Bien avant. Je crois que Spyro, il est contemporain de Mario 64. Alors celui-là pour les caisses, c'est le pire. Skylander. Celui-là pour les caisses, c'est le pire. Bah, c'est surtout qu'il y a un endroit en fait, faut que tu prennes un ascenseur pour aller en haut. Je peux pas choper toutes les caisses. Doucement. Oh, Dexter.
Ouais, même là, avant de commencer, j'ai essayé de voir si le jeu il était sur c'est la PS4. Genre de pas forcément, forcément passer par l'émulation, on va dire, si c'était 10 balles. Daxter, jeu vidéo de 2006. Sorti sur PlayStation Portable. Et c'est tout. Apparemment, il était que en anglais. En anglais. Après, il était que sur le français, il parle de la voix. Ça m'étonnerait parce que. Les jeux de King Buster, ils avaient toujours un doublage. Hein, c'est vrai que je vois si. Il y a moyen de choper pas trop cher. Il y a toujours la facilité de l'émuler directement. Là, ouais. Beaucoup plus important à faire. Je me suis rendu compte en allumant la PS4 que j'avais les Uncharted à refaire. J'avais donné la trilogie en HD sur la PS4 et il avait le 4. Péter toutes les caisses permet d'avoir la gemme et indirectement d'avoir beaucoup de vie, ce qui est quand même important dans ce jeu. Pas simple et bonne raison que le jeu est quand même difficile. De la vie. Oh attends, pourquoi tu vas vers la gauche? Parce que je pensais que c'était pas la fin du uniforme, que c'était. Ouais, non, mais faut que tu fasses. Faut que tu fasses B et puis que. Mais au contraire, c'est vrai qu'en soi, c'est pas ce qui se passe quand tu as toutes les caisses, enfin toutes les gemmes, tout ça. Il y a des vraies fins, mais comment ça se passe? En fait, tu. Alors, je sais plus s'il faut vraiment avoir toutes les gemmes ou pas, mais je sais que tu peux débloquer un monde bonus. Je sais pas s'il faut exactement toutes les gemmes, mais. Moi je trouve sympa ce jeu là, enfin ce niveau là, parce que en soi très souvent tu peux y aller, il n'y a pas beaucoup d'ennemis, tu peux t'amuser pour jouer. Pas trop chier quoi. Ouais,
content que Ghost réclame sur deux. D'accord. Pourquoi partager ton compte avec les ennemis? Parce qu'il fait pauvre fou. Tu as réussi ton truc parce que voilà, t'as la gêne. Si t'as tout, alors infogramme. Non. Trop subtil. C'était pas terrible. J'en ai sorti une tout à l'heure à Ghost. Bah, je m'en souviens plus. C'était sur le moment quoi. C'était... Le pire, c'est que j'ai compris, hein. Ah ouais, non, mais... Faut que tu es une femme de culture. Ah non, mais merci, JDG. Tu peux le faire soit avec la galine des gâchettes, ça te droit de souvenir corporel. Soit avec Ron. Tu peux pas le faire avec l'autre gâchette, dans ce cas, ah, celle de gauche. Non, je peux essayer, mais... Oh là, zut! T'as pleu à la tornade? Mais non, mais je voulais faire une glissade. Quoi? Pour m'entraîner à la glissade. Ah bon? Mais moi je préfère les tornades. Oh. Oh les magiciens, je me souviens. Je me souviens d'eux. C'est bon. Hein? En fait. C'est un métier hein, de divertir. T'imagines que je vois ton gameplay et il faut que je commande dessus pour divertir les gens. Mais. Aïe 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 aïe. Pas sorti de l'auberge. Ah c'est clair, c'est le premier magicien. Hein. Il y en a au moins 5-6 en niveau. Hein. Elle était pas content, je prends la même. Si tu meurs, oui, c'est ce que je vais faire, je pense, hein, parce que... Mais... Tiens. Merde, toi. Je vais te montrer une technique. Elle est pas piquée derrière le pont. Je voulais la discuter, hein. Baptiste a bien visé. Bah, en fait, il y va pas. Non, normalement tu peux envoyer le chevalier. Mais tu me prends toutes les caisses, hein. Bon, écoute, t'essayes, hein. Fais ça bien. Ta gauche. Là. Hein? Ça va, je l'aurais vu, 28 des. T'es me prends pour un miro ou quoi? J'ai pas encore 60 ans. Hein? Ton permis. Regardez! Comme réfractaire. Tu
Allez. Oh, c'est comme mon gars. Trop sanglant. Ah non. Ça, c'est pas les magiciens, on ferme deux, c'est tout ça. Vas-y, allez, cours! Oh putain! Allez, cours! Le Boongaga! T'inquiète pas, il va t'en casser aussi. Le C! Ça va. Allez, tu vas te recourir après. Ce qui est bien, c'est que tu me donnes un peu les infos en avance. Ça, c'est cool. C'est bon, l'animal. Alors fais gaffe, parce que là, il n'y a pas beaucoup de caisses, mais beaucoup de caisses de micro. Tu fais un bruit d'éléphant genre... Sautez, monsieur. Ah bah oui, il a sauté aussi. Mais n'est pas ce qu'on peut dire notre grand allié pour bien voir. Bah si, tu fais la gâchette, ça marche aussi. Je l'ai fait par réflexe. Allez, donc on t'a fait. Non, tu vas peut-être que tu fais les potes, parce qu'on a vu. Ouais. Facile, hein. Sage. Mmh. Tu feras le boss. Je connais plus les stages, hein, donc j'y vais à la Wallagan Best to Fly. Je vais te botter ton derrière de marsupial. Du coup, Crash, c'est quoi? C'est un diable de Tasmanie? Wow. Écoute. C'est un marsupial. Ah non, c'est un bon. What? What? Je pose la question si je fais l'autre façon de faire. Coucou chouchou. Oh, joui. Comment elle va, ma chouchou? Ah, oh, bah dis donc. Mais t'es vraiment pas bien dans ta tête. Va falloir que je te fasse soigner, hein. Je vais appeler les hommes en blanc. Je vais aller à l'école infirmière, à mon avis, je vais leur dire de venir à chercher. Bon. Bah bravo.
Il m'a eu en plein air. On dirait deux gros mongols. Non, il y a un gros mongol. Pas très gentil. T'arrives, ta fille. Oh! Putain, on est quand même là. Pour les vagues. Pour les vagues. Les dieux se foutent de ma gueule, mais quand même les niveaux les plus durs. Hein. J'ai pas eu le niveau de la boule hamster. Bon, c'est de là. Comment il va, fils de pute? Le crash me dit c'est une occasion de récupérer du sel de Neda. Pour l'instant ça se passe bien, mais bon on est dans les premiers niveaux alors. Mais t'étais pas déjà en vacances, chouchou? Il semblait que t'étais en vacances en même temps que moi. C'est Lady qui joue pour ça qu'elle meurt pas. Oh la vie! Ah bah c'est ballot! Jeudi c'est plus. Ah, jeudi soir les vacances. Combien de temps déjà? C'est plus. J'ai des questions. Bah écoute, c'est droit. C'est dit qu'elle pâté à la présidente. Le droit. C'est ma meilleure amie, j'ai le droit de te poser des questions. Ma meilleure amie. Et c'est pas la tienne. D'accord, ça c'est gentil. Voilà. On ne voit pas. C'est ma mienne. Ah, t'avais pris que 11 jours, je pensais que t'avais pris plus. Oh bah c'est bien, tu sais compter jusqu'à 5, je suis fier de toi. Je peux même additionner 2, 5. D'accord. Mais que nous arrive-t-il? Sauf que Deda il a plus d'amis. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Mon maudit, je t'aime ma chouchou. C'est ma topina, moi. C'est pas la tienne. Tiens, un bol boss, connasse. Et mon zibou, ben, c'est mon meilleur ami. Eh bah, tant mieux. Eh bah, écoute, garde-le. J'en veux plus. Il a plus joué à Warhammer. En plus, il fait un tournoi. Il a fait 2 games. Il finit 2e, ce bâtard. Moi, j'arrête. Il revend du Warhammer. Non, non, j'arrête d'être ami avec lui. Non, ça va pas. On dirait que notre petit ami a été bien occupé avec tous ces cristaux. Je t'avais prévenu, Bandicoot. Vous l'avez prévenu, Bandicoot. Enfin, je peux tordre ton misérable petit cou orange. Comment tu parles à Lady? Je suis shocking. C'est relativement normal. C'est calme là, c'est calme. Pour l'instant.
Ah non, en plus il est casse-couille celui-là. Ah, honnêtement, c'est pas le plus facile. Hein. Pas le plus facile. Parce que quand il commence à y avoir plein de bouboules, c'est la mourvache. Qui va aller chercher souvent là. C'est la mourmeneuse. Oh mais faut pas s'insurger quand on vient à la maison, quand tu viens à la maison, c'est sûr comme ça. Mon dieu. Il y en a, ça leur fait tout drôle hein, quand ils viennent à la maison. T'as vu mes collègues qu'on a trouvé à l'éclair là quand ils ont vu qu'on commence à se tailler. Putain, on va oublier ça. C'est pas la copine de Mythique qu'on avait une fois. On prenait un peu la tête des fois pour. Je sais qu'il y a un couple qui a été un peu. I'm shocking. Comme tu peux rentrer des boules, c'est pour les miennes. Oh la 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 la. Pauvre de France. Carrément. Fille-moi une bière, Gertrude. Non, je parle pas de ça. De quoi ? Il est chiant celui-là en plus. Bah en vrai oui il est chiant. Ah là tu l'as réussi mais moi je me souviens une fois que t'avais testé. T'avais passé un moment. En plus c'était même pas tu perdais, c'était juste que tu courais après les balles quoi. Et bah à chaque fois lui que t'en touchais une, il en retouchait une aussi, donc au final bah. Et ça a duré longtemps quoi. Non, mais en vrai, il est casse-couille. Enfin, après, il est pas plus chiant Cortex, que celui avec l'eau. Tu dois sauter sur des ponts. Quand vas-tu me débarrasser de ce maudit pan d'écoute avec ta super arme ? Je commence à perdre patience. J'y travaille, Ouka Ouka. Écoute, Crash, tu as peut-être été plus malin que Rocco, mais il reste trois autres masques. Et bien entendu, ils sont Rocco. Tous bien plus puissants que le premier. Rococo. Tu ne ressortiras jamais vivant des profondeurs abyssales dans lesquelles Wawa, le masque de l'eau, oui, bon. Va te plonger. Wawa. C'est le boss du premier monde, calmez-vous. Tu vas devoir nous affronter, le porteur d'eau et moi. Ça suffit. C'est le porteur d'eau. Je vais te plumer des pieds à la tête. Donc c'est celui de l'eau derrière. Celui de l'eau, par contre, il est dur. On y va sur la pointe des pieds. Super, que ça c'est vachement chiant, vas-y, continue. Non, c'est vraiment pas relou, t'inquiète. Vraiment, continue comme ça, t'es pire que moi. J'aime bien. Crash mon écoute ! Tu as du culot de pénétrer dans mon domaine sans y avoir été invité. Tu vas réussir. Mais je ne réponds pas. Je vais t'apprendre la politesse. Ah, c'est que... Mais tu vas fermer ta... Il est moche le truc. C'est clair, on dirait, t'as connu toi les petits monstres dégueulasses. Ah, gélatine, que tu jetais. Non, pas ceux-là. C'était des têtes de monstres et tu devais les jeter, les faire rebondir sur un mur. Mais ils devaient pas rebondir trop loin et c'est celui qui le faisait rebondir et qui s'arrêtait plus près du mur qui gagnait. C'était des. Mais ça avait des têtes comme ça en fait, c'était des trucs c'est dégueulasses. Bon bah je peux pas le tuer comme ça. J'espère que tu l'es pas. Hein. Ah non mais. Bon c'est pareil, hein, les scientifiques là dans le niveau d'avant, des fois il y en a, je m'approchais pour essayer de les tuer. En tout cas, tu comprends pas comment tu touches, mais c'est... Bah là, clairement, j'ai pas compris. Faire confiance en Valédie dans le chat. C'est vrai qu'on pourrait faire des paris. Je conseille de parier sur le bon choix. Bien joué, Milou. Alors attends, je peux essayer vite un truc. Déjà vérifions. Comme ça, tu touches pas. Je
Tu vois, quand tu fais le plat, tu sautes un tout petit peu plus haut. Ah bah là, t'as baisé. T'as bien niqué la gueule. Mais qu'est-ce que tu fais? Non mais ça va pas. Toi, quand t'avais 19 sur 20 à l'école, tu cramais la classe, quoi. C'est comme ça que tu vois les choses. Autant que ça fonctionne peut-être au bout de la 15e fois. C'est vrai que on ne sait pas. Peut-être que il y a un niveau caché quand tu sautes plein fois. Finalement. Ah, ce chat est acide. Tiens, vas-y. Tu sais bien le faire, quoi. Ah non, moi je veux tout tenir. Allez. C'est à rester appuyé sur le bouton saut alors que t'es... Moi, tu vas bien. Tu restes appuyé sur le bouton saut, en fait, tu vas rebondir automatiquement très haut, quoi. Je vais pas me... Franchement, hein, reste juste appuyé et... alors, vas-y, tu testes, tu vois. Si jamais tu relâches, c'est pas comme dans certains Mario, tu dois sauter au quand tu touches la tête de l'ennemi, mais là non. J'ai plus le nom de cette petite tête de monstre à la con. Là. Et c'était contemporain au Pog, ce genre de conneries, quoi. Après les monstres gélatineux que tu parles, oui, je vois, mais c'était pas ça. Quoi. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de la session en l'air, les gars? Bah, que pour une fois, vous aviez des plans, que pour une fois, vous vous y êtes tenu, et que pour une fois... Bah, du coup, on a pu voir que... Vous n'avez pas cassé son scénar. Je l'avais pour une fois. Et en sautant, en faisant le grand saut. Partir de la caisse. Non, mais tu sais, quand c'est fou, donc le grand saut. T'as le grand saut, mais. Ouais, tu vois, c'est pas possible. Ça va juste être extrêmement chiant, là. Oh, une savonnette. Casse son scénario si on veut. Ah, ouf. Regarde, ouais. Et il pleut encore et toujours. Le problème, c'est qu'à la base, je voulais donner un boost au perso de Shepard, mais... Je pense que c'est pas encore non plus extrêmement... C'est à cause de Mickey qu'elle rame. C'est une horreur. Vacances? Non, la semaine dernière, ça allait. Hein. Bien, bien. Alors, à mon avis, tu dois rester appuyé et quand t'es au plus haut. Reste pas plus. Allez, je commence. C'est la même chose mais avec la TNT. Tu peux rebondir super haut avec la TNT. Ah ouais, c'est ça, là tu fais un grand saut. Vas-y donne, les phases de plateforme, les dia du car. Hein. Ah,
droit de rebondir haut sur n'importe quelle caisse. Hein. Non, pas celle-là. Effectivement, j'ai dit n'importe quelle caisse, mais pas celle-là. C'était pas prévu. Eh ben, je me doute. Hein. Ça, c'est sans le son long. Génial. Tu le sens pas? Ah non, pas. Je le sens nous pas. Ne le sentons pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà. Oh mais... J'y croyais pas, j'ai l'impression. Ah, moi j'y croyais pas non plus. Allez-y, Lady the Barbare, quoi. Les aventures de Lady la Barbare dans mon salon. Non. Non, bah non. Bah non. Enfin. Un glissade. Enfin. Mais enfin. Faut que je te montre. Un professionnel. Ah oui. Vas-y, montre. Non, pas nul. Pétant, pas pareil. Pétard, je n'en pouvais plus d'avoir des températures aussi princes. Oula, mais mamie chourie nous a rejoint quoi. Pétard. Oh. Bah nous, on aimerait bien savoir à quoi ça ressemble la chaleur un peu. J'ai longtemps qu'on en a pas eu. Je sais pas à quoi ça ressemble la chaleur. Merde. Et tu te foutais de ma gueule tout à l'heure? Bah non, mais je pensais rebondir et il a pas rebondi, oh il a marché sur des caisses. Du coup, moi dans ma tête, j'étais en mode bah. En fait, ça m'a fait bugger. Putain! Putain! C'était le professionnel. Regardez, non, on veut bien un peu de chaleur. Hein. Regardez, je vous montre. Promis. On vous donne l'humidité si vous voulez, mais on veut de la chaleur. Ouais, moi j'ai plus machin. Moi. Ouais, ça va. Tu m'as mis dans la merde à perdre le masque aussi. En soi, je sais le faire, hein, mais là, faut que j'arrive à le faire sur deux cases de... Je passe directement un truc comme ça, quoi. Oh, la pluie volontiers. Ah, mais on vous laisse la pluie, la tempête et tout. Il n'y a pas de souci. Vous nous donnez la chaleur. On n'a pas eu du tout, nous, cette année. Je peux même faire un tarif spécial orage. C'est étonnant. On en a eu des beaux, c'est... Il n'y a pas la chaleur, mais alors du tonnerre et des éclairs, on a eu des sympas. Hein. Oui, mais Lady, elle a tué le masque. Sauf que bah le masque, au moins, c'est une petite sécurité, quoi. Là, je suis obligé de... de jouer au poil de cul, quoi. Plus de la neige. N'allons pas à ce point, Coco. Je veux juste de la chaleur. Tout le soleil est tropique. Moi je veux le temps qu'on avait l'été dernier en fait. C'est bien l'été dernier. Ouais, enfin on a eu un mois de juillet pourri avec 3 jours de beau temps. Surtout le mois de juillet, alors oui, un peu de chaleur pour nous. Oui, c'est bon la chaleur. C'est la faute de Lady. Elle a pété les masques. Non, c'est pas ma faute. On va Lady la Barbare là. Non. Bla 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 bla.
C'est bien. Tu peux récupérer la manette. Oh, tu peux continuer, vas-y. Ah bah, à partir de 21 degrés. C'est ça parce que c'est Jurassic Park là. On va faire bon bon. Moi je veux pouvoir sortir mes robes d'été en fait. Ça va plus du monde. Oui. Ah mais faut accélérer, moi je pensais que la voiture elle le faisait toute seule. Arrêtez, 15 degrés c'est pas chaud hein. Et la croix ça va pas. Faut que j'ai une touche. C'est quoi? On va essayer en fait. Oui, c'est mort. Je suis sur quoi en fait. Il a pas cassé la caisse! Attends, c'est pas grave. Quel cul de ce dégât ça? Celle-là par contre il la casse. Alors je dis rien mais c'est pas facile à manier. Oh eh, franchement c'est. Oh pas terrible. Ah non, mais c'est vraiment vraiment chiant à manier. On n'est pas sur Grand Tourisme. Oh putain sa mère. Eh bah eh. Stop. Ah non. Coco toujours dans l'exagération. C'est un grand t-shirt, le mec il a chopé une pneumonie. Je comprends pas. Moi je veux pouvoir mettre mes robes, donc il faut que je fasse plus de 25 degrés. Voilà. Donc non, 15 degrés c'est froid, désolé. 15 degrés il fait froid. Ok. 25 degrés, 26 là on est bien. 25 degrés il fait chaud. 25 degrés, on est bien. Ok, il y en a un, deux, on a oublié, 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà. J'en ai vu 3, mais. Si, si, 4. La caisse que les. Ah oui, j'en ai perdu celle-là. Un quand j'ai dit. Celle-là, quand voilà. T'as voulu aller dans la flotte et que ben, tu y es pas allé, que du coup, tu l'as pas eu, que je fais 2 dans le tunnel. C'est pas une boîte TNT, c'est une boîte nitro, ça n'a rien à voir. Nanani ma mère. 20 degrés, c'est bien. 25 degrés, après, c'est bien 20, déjà. 25 en vrai, quand un tu mets au soleil, tu chauffes. Un bon 30-31 là. Oh, oh non, c'est bon, je veux. Oh non, t'es bien. Il fait chaud dans le. Putain, ça m'a touché. Sur la femme. C'est pas sa salle de chambre, c'est ça. Je pense que c'est surtout celle-là. La plus froide. Ah. Je vais mourir cette fille. Tu verras, je vais dormir ici, ils sont matigons. Il fait chaud que des armes. Je suis d'accord, il te tire dessus. Après je peux ouvrir un. Non non mais non non du coup tu vas éviter d'ouvrir la fenêtre. Ah bon ça. Bah oui sinon je vais avoir froid en fait. Oh mais ils sont chiants. Oh tu vas repartir chez ta mère toi. Mmh. Par contre là elle m'a pas touché alors que j'ai clairement touché le haut du. Bonne nuit Coco. Oh, y en a, ils ont de la chance, ils sont en vacances. What? Mais comment tu veux que j'esquive ça? Non, c'est pas. C'est la fragile. De quoi elle dit la fragile? Je te permets pas. C'est pas fragile, c'est quelqu'un qui aime bien la chaleur.
Ça, c'est que je sors avec monsieur qui supporte pas la chaleur. Trop compliqué. La chaleur, ça va. Là, il est même pas. L'intérimaire, je connais pas les mecs. Ah, bah ça. Oh, je vais lui éteindre la télé. Ah, ouais, tu lui éteins, hein. Faut que t'arrêtes d'y aller pour en mettre Mickey à chaque fois. Hein, parce que en fait, ça va être un jeu sans fin, ça. C'est pénible. Hein. Fais pas. Et 22h30. Mmh. Là, je sais dodo. Longtemps. Les mines qui tombent alors qu'il y a de la verdure sur l'écran. Ouah, sérieux, ça a touché le bout des palmes, quoi. Moi qui suis pas extrêmement fan de niveau aquatique. Oh, d'accord. Tiens, on te donne un sous-marin, va t'amuser. Ouais. Ah putain, j'ai voulu aller. J'ai voulu faire la tornade pour aller vite. C'est que dès qu'il est au générique de fin, c'est fini alors qu'il se remet tout seul. Hein. Mais bon, t'as eu le malheur d'y aller une fois. Faut pas y aller. Ah, mais la première fois, sur le coup, j'ai pas pensé que c'était pour Mickey. Je me suis dit, bah, quelle chose qui va pas, mais non.
crois qu'on a tous connu des périodes où pendant un an et demi, deux ans, tu bosses mais t'as pas de vacances. On va dire qu'une fois que t'es en CDI, tu apprécies d'être en vacances. Ah, c'est chier comme ça. Moi j'ai fait formation, travail, une semaine sans travail. J'ai retrouvé bah, mon boulot actuel et un an du coup sans. Du coup ça m'a fait deux ans sans vacances. Faut recommencer jusque là. Ça m'a fait deux ans sans vacances. Mais alors qu'est-ce que ça m'a fait du bien quand j'ai eu mes premières vacances? Même si c'était deux semaines, ça m'a fait du bien. Fun. Toi, bonheur. J'enlève les mines là. Ouais, c'est qu'il y a des jeux, je commence déjà à avoir des bugs d'émulation là. Pas ça. Ça va bien. D'expliquer. Tu veux dire lire les règles, simplement. Ben voilà, les règles, c'est ça. Je crois qu'on peut tirer vers le bas, en plus. Non, c'est des... Ouais, des... Les caisses sont séparées. En plus, c'est les deux qui manquent. Mmh. Bon, voilà, la caisse en fer, on dirait qu'elle pouvait pas aller plus bas. Ouais. Donc, Coco, son astuce pour nous dire, pour nous expliquer ses règles pour un jeu de société qu'on est censé aller faire chez lui, c'est de nous écrire les règles et de nous envoyer en Google Doc. On les lise nous-mêmes. Par quel foutage de gueule. De gueule, là, il y a foutage de gueule.
Et rhabillé, faut que vous pouvez... Ne touche pas à mes niveaux! J'ai trop froid, j'ai mon pull à côté. T'auras pas trop froid. On s'appelle pas tous des Dalucard. Hein. Si j'ai froid, je mettrai mon pull. Moi, tous mes pulls, tu me les as volés. Ils sont volés! Mais c'est une mort que j'ai vue ou... T'as bien vu une mort là? Oui, oui. Enfin, je l'ai pas vue justement. Mais... C'est quoi qui t'a tué? C'est en fait, elle saute pas pareil que son frère. Ah. Du coup, j'ai voulu pas sauter trop loin parce que je me suis dit. Et en fait, non. C'est moche les masques. C'est pas faux. C'est vrai que les masques ils sont. Bon, c'est des méchants, hein. Moi, c'est méchant. Les méchants, les méchants. Et les niveaux de Coco sont toujours vachement bien. On parle de Coco, la belle personne qui est devant nous. Hein. Pas le fasciste d'extrême droite dans le chat. C'est qu'ils ont tous tendance à avoir une petite ambiance japonaise. Ce qui n'est pas pour déplaire le Dédaluca, évidemment. Qui poujable de son état. Ah mais je vais noter qu'il y a un écrit en mode simple à expliquer. Oui, donc ça veut dire que tu vas prendre des règles compliquées et que tu vas vouloir nous les expliquer à l'écrit. Je sais pas pourquoi, mais ce plan me paraît bancal. Alors là, avec la perspective... Elle va péter tout seul avec... Ouloulou, qu'est-ce que tu fais? Du speedrun? Mais non, mais j'essaie de le péter, de le casser, de le tuer, mais ça n'a pas fonctionné. Péter, le casser, le tuer... A pas fonctionné comme dans je voulais. Dans ces ordres là. J'ai vu un mème. J'ai vu... Enfin, un mème, c'est pas un mème, c'est... BD humoristique d'humour noir, mais... Tu sais, avec deux vikings qui sont en train de piller... Enfin, qui sont en train d'attaquer un village, quoi. Et en fait... Dommage. Et en fait, ils sont en train de discuter entre eux, tu vois, tu sais pas ce qu'ils font. Et t'en as un qui dit, bon, Quoi? C'était totalement ce qui était prévu. N'importe quoi. Et il fait, ouais, c'est quoi notre credo, finalement? Piller, violer, brûler, je crois, un truc comme ça, ouais. L'autre il fait oui, dans cet ordre là. Fais gaffe. Ah, parce que du coup, il est dans une maison en flammes, en train de baiser un cadavre, un squelette calciné. Mais. Pourtant, j'étais loin. Déjà à vous. Eh bien, pas assez loin, selon le jeu. Déjà à vous! Ah, je l'ai vu il y a quoi, il y a quelques jours. Ça va. Ou tout à l'heure, je sais plus quand est-ce que je l'ai vu. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Franchement, ça va le faire. Déjà à vous! Oh, bras.
de sauter au-dessus, mais qui en plein air dit non, finalement non. Et puis, du coup, le poisson qui saute en même temps que moi je saute. Un complot. C'est un complot. C'est une cacoille. Petite bête, tu l'avais passé, laisse-le tranquille. Manette là. Oh t'es sérieuse. Tu veux que j'essaye? Je peux hein. Elle saute pas pareil que son frère. Bah moi je trouve que elle est un petit peu. La cinématique elle est moins franche. L'autre il était pas tombé, donc dans ma tête il tombait pas les trucs. Ah oui, effectivement, enfin ouais, c'est un peu particulier. Ouais, elle saute pas pareil que son frère. Même au niveau de l'attaque, c'est pas la même chose. En fait, c'est l'animation qui est pas du tout la même. À mon avis, c'est ça que tu voulais dire par cinématique. Ouais, c'est même. Tu vois, elle glisse pas, elle, bah. Elle donne un petit coup de pied. Deda, tu veux une blague nulle, mais pas raciste. Bon, mais à mon avis, il est cool. Cette fois, c'est beau. Faut pas s'attendre à grand chose, hein. Je vais au champ pour prendre un cadeau pour ma petite sœur et par curiosité, je vais voir les. Le rayon avec des statuettes. J'en vois certaines qui me plaisent et à un moment je vois un gars avec le Dark Magicien de Yu-Gi-Oh. J'y vais pour voir en me disant qu'il y en a d'autres et probablement d'autres monstres. C'était la dernière que le mec avait en main. Waouh, waouh. Et donc. Non mais ça c'était Yorken. Tu ah mais moi j'étais en train de chercher la blague. Tu connais le point commun entre une femme et un ascenseur. Ça c'est la blague à Coco. Faut les faire grimper le Team Seed avec un doigt. Je vais lui dire un truc mais je vais me faire. Mais à côté. Oui bah c'est vrai qu'elle calme-toi Billy. Il y a un truc. Le dos que. Oh. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Il faut lui dire qu'il arrête. Il faut laisser l'humour aux professionnels. Je me suis mangé la rambarde et du coup. C'était compliqué. Mais oh,
père, vraiment, c'est un spécialiste des blagues nulles. Les gamins, il y avait des fêtes de faire. Famille. Petit plaisir personnel. C'était de raconter des blagues comme ça, mais vraiment, mais. Et des vieilles blagues de daron, tu vois, pas les blagues de daron que tu vois sur TikTok ou sur YouTube, tu sais, quand ils font le challenge blague de daron où ils doivent pas rire. Ouais. T'as deux mecs qui se regardent et ils doivent pas rire. Oh, si tu veux, ça je peux faire. Ah si, fond, fond, fond. J'entends un nul à chier dans mon oreillette, Jamie, et je crois aussi entendre tu n'étais pas censé dormir au lieu de faire une vanne foireuse. Seulement voilà, Jamie, ce mec est un véritable enculé. Eh bien oui, bien sûr, le Corentin est spécialiste pour se plaindre ainsi que lui. Il va tout simplement dire qu'il va être fatigué demain. Et que ce sera ta faute. Mais dis-moi, Jamie, c'est vraiment un petit peu abusé. Mais. Ça tire pas comme tout à l'heure. Il va se concentrer, enfin faut que l'ennemi reste dans ton visage, j'ai l'impression. Et quand tu te pour les caisses, je pense que tu dois juste le faire. Et toi, je t'en vais à la caisse de son d'ailleurs. Bien joué, Milou! J'espère que vous appréciez ce gameplay, personnellement j'ai juste envie de vomir. En plus tu en vois plusieurs. Aussi, hein, t'inquiète, si ça t'intéresse. Les bateaux en général ils sont vers l'eau. Hein. Et quand je dis vers l'eau, c'est pas vers le haut, c'est vers l'eau, l'eau liquide. Hein. J'avais pas le premier coup, donc là c'est bon. Bah c'est... Tu pensais que ça se pilotait comme... comme l'avion de tout à l'heure. Je te rassure, mais aussi. Mais non. Elle a un an d'études de plus que moi. Et donc, si c'est la première fois que tu lui parles et qu'elle te parle de ses études, la meuf elle doit pas avoir bien confiance en elle. Hein, parce que quand tu te réfugies derrière tes études, c'est que t'as pas beaucoup de vécu dans la vie. Hein. S'il y a bien une chose que la vie m'a appris, c'est que tu peux faire ce que tu veux comme études. Ça ne t'empêchera pas. C'est pas que ça te servira à rien, mais. Pas de minuterie quand même, mais alors côté études, j'ai pas non plus. Hein non pas, et. Ah, c'est surtout que quelqu'un qui t'a dit genre, hey, j'ai quand même fait Bac plus 3, quand même. C'est bien. T'es en mode assez bien, mais en attendant, c'est moitié de forme bâtard. T'as envie de lui dire ça, toi? Enfin... Non, mais...
De la même manière que moi, là où j'étais avant, c'était moi qui avais le plus haut niveau d'études, hein, entre guillemets. Ça va plus vite, c'est un truc, quoi. Et voilà, tu vois, ça va beaucoup mieux quand je comprends comment il faut faire. Je veux faire ingénieur, ce métier c'est de la merde. Bah, qu'est-ce qu'elle fait en intérim si elle veut faire ingénieur? T'es ingénieur, c'est bac plus 5. Hein. Ah, bac plus 3. Hein. Il va falloir qu'il te mette au sec lorsque j'en aurai fini avec toi. ODT. Oh, dis-toi que t'as plus qu'un mois à la supporter. Nous, on avait des remplaçants d'été et... On en avait quatre. Il en reste deux. Deux mecs. Ils sont morts. C'est appuyé sur croix pour la bombe. Ah, ils sont pas morts. Mais les deux meufs, elles se sont... Enfin... Ah, tu sais la meuf qui m'a énervée? Bah en fait elle a donné un faux certificat d'arrêt maladie. Faux certificat? Ouais, elle a fait un faux arrêt maladie. Ah ouais, ouais. C'est Anaïs qui me l'a dit. Bah comment elle le sait alors? Bah le boulot, Vanessa. Parce qu'il parlait monsieur Fournier et tout, il a été parlé un peu plein tout. Ouais. Ah ouais, ouais. Et genre, même c'est... son diplôme, ils sont en train de voir parce que. C'est pas sûr qu'elle l'a. Ah non, pour eux, c'est pas possible. Et. Catherine, elle disait, c'est bizarre parce qu'elle dit qu'elle a eu son diplôme quelle année. C'est sa sœur qui s'est occupée de la promo et ça lui dit rien. Elle a dit qu'elle avait le diplôme mais alors qu'elle l'a pas, puis quand elle est arrivée dans le métier elle a fait merde. Ah c'est pas ça, c'est que bah même sans diplôme, ma foi, n'était pas payée pareil. Elle a pris moins. Moi ouais, d'un côté je veux aussi être diplômé de soins. Bah, une bonne centaine d'euros de plus hein. Rappelle une certaine ancienne connaissance qui était en mode moi je travaille pas en dessous de temps par mois parce que j'ai ça en mode d'études. Bon bah. Et celle qui nous a léché sur l'été, elle s'est mise à l'arrêt et après elle a arrêté. Elle y arrive pas, elle peut pas, c'est au-dessus de ses forces. Ah ouais, elle arrivera pas comme ça jusqu'au 15. Elle a arrêté son père. Pas la force de faire ça tout le temps. Après, si c'est la première fois qu'elle essayait. Ouais, c'est typical la gamine qui vient de sortir de son bac. Enfin, qu'elle est ST2S là, il pouvait travailler dans le métier. Et... Il se rend compte que c'est pas pareil entre le stage et la vraie vie. Ah bah non, bah ça. On va aller dedans ou... À mon avis, il faut que je saute sur les caisses. C'est loin, là. C'est vrai que le saut normal, enfin le saut... Pourquoi t'es dessus, mais... Il y a un truc, je sais pas si elle prend une maison marche. Un truc que tu veux faire.
fait, tu sautes plus haut en faisant ça et ça. D'accord. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce? Je sais pas, c'est un truc. En fait, les ennemis, ils attaquent, mais ils attaquent toujours au même endroit, ils attaquent pas spécialement vers toi. Finalement, c'est ça qui fait que les magiciens sont dangereux, c'est que eux ils te visent, et les autres ennemis te visent pas en fait. Genre là, ils se tourneront pas vers toi, tu vois. Du coup, bah, ils sont pas si dangereux. Il est chaud! Ouais, ça va, hein. Oh, le. Ah, mais est-ce que pas... Ah. Passe au milieu, hein. Ils ne lanceront pas ailleurs, en fait. Mets un coup de tornade, mais tout de suite, tu vas vers l'arrière, en fait. Ils essaient de te faire croire que toi, si tu vas dedans, tu prends un coup, et les caisses de nitro qui sont dans le liquide, elles prennent pas de poubelle. Ah, c'est bien. En vrai, le plus chiant là, ça va être les ennemis derrière, parce que les ennemis lance-flammes sont casse-couilles. Oh Bah là, tu peux dégager. Attaque la première fois. Ah, c'est cool. Pour une caisse. Pour une caisse là que tu vois, mais ça se trouve. Je trouve qu'on a loupé une avant, tu le sais pas. Y a des stages où tu loupais les caisses parce qu'elles étaient sur le côté bien planquées. Non, mais ça va péter avec la nitro, ça. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait là? Ben, j'ai voulu sauter, mais je me suis loupé. Je pense que normalement, quand tu perds une vie dans un bonus stage, tu la perds pas. Non, tu la perds pas. Donc, c'est pas grave de perdre des vies dans les bonus stages. Pourquoi tu essaies de partir le plus possible de la nitro alors que tu peux rebondir sur les caisses normales? Parce que j'aime pas la nitro. C'est pas la nitro plutôt. Bah en fait tu te stresses pour rien, hein, parce que moi je suis sûr que tu vas doucement. Boum boum boum, tu te laisses tomber sur la caisse du bas. Boum. Tu t'occupes pas de la nitro, tu fais comme si c'était le vide en dessous. Je suis sûr que tu arrives mieux. À droite, prendre la vie. Ah bon ? Ouais. C'est dommage. Tu peux trop avancer, mais tu vois, t'y arrives, hein, en vrai, de rebondir sur les caisses. C'est pas compliqué. Ah, le pire, c'est qu'en ce moment, on se galère à trouver des remplaçants d'été. Cette année, ça a été la misère pour trouver des remplaçants d'été. Je m'en rappelle plus. Oh, c'est une horreur. Hein. C'est ce qu'on disait avec les filles. Hein. Ils sont passés où tous les personnes qui sont en études aide-soins et qui venaient poser des CV le temps... Oh! Je vais être trop vite. Les chenilles où ils sont? Hein?
Et que je te dise où ils sont. En intérim, ils se font 2000 par mois. Oh, mais c'est vrai. Je sais bien. Hein, hein. Quoi ça ou... Ou c'est des contrats CDD. T'as touché une misère. Non, mais... Que... C'est surtout que... Après... Avant, en fait, il y en a, quand ils faisaient leur concours être soin, en fait, tu t'es en stage juillet ou août, et t'as un mois de vacances. Il y en a avant, pendant leur mois de vacances, ils travaillaient en plus, quoi. Et ils évoluaient en noir-fang. Plus en plus, ils travaillaient pas. Il évoluait en noir-fang ou pas? Il dit qu'il a ou août. Il m'a fatigué. Non, vas-y, donne, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais... Ah, ne meurs pas sur le poids. Mais vas-y, allez, laisse tomber. C'est bon. Oh, allez. Je l'ai cassé. Je l'ai cassé là. Oute, oute, salope. Oh, je reviens par ici. Pute, salope. T'es sérieuse? Ah, mais non, mais. Bah ouais, mais moi. Ah, va. Mais t'étais. Pourquoi tu fais des blagues de merde comme ça? Je sais pas. Non, on est bien d'accord que tu sais pas. Hein. Ah, du coup, tu vas pouvoir peut-être préparer ma connerie. Je ne suis que ça, ma chérie, je ne suis que ça. Il y a une caisse de vie au-dessus, du coup. Ouais, voilà. Faire, là, personnellement, je peux en lâcher une si tu veux. Non. Salut. Ah, alors oui, c'est bien, ça. Ah, chouchou. 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 Faudra que je t'envoie une photo. J'ai craqué. Aïe. J'ai craqué. Attends, dis oui. Hein. Non mais cherche pas, j'ai déjà tout acheté. J'ai tout acheté, j'ai dit oui à Marion, moi. J'ai craqué, Seth. C'est grave. C'est grave, docteur. Oh, j'aurais peut-être pu tenter un grand saut. Je vais reprendre un petit saton. Elle va s'appeler soit Simba, soit Kovu, soit Oliver. Je sais pas encore. Ah la grande mignon. J'ai craqué. C'est la voisine du tueur, ma maman. Sa chatte, elle s'est sauvée. Et elle est revenue pleine. Comment toucher les... Jamais 304, tout à fait. Je sais pas comment avoir celle du haut, par contre. Oh, j'avoue, je sais. Bah, en fait, si, tout à l'heure, tu l'as fait. Tu appuies sur la TNT, la TNT nique les micros, et du coup, après, t'es plus emmerdé pour la récupérer. Enfin, c'est ce que t'as fait tout à l'heure. Ouais, mais je suis pas sûr que je peux aller à droite, du coup, après. Ah, ça, je sais pas. Normalement, je peux, en vrai, mais... Et du coup, j'ai craqué parce que elle se galère à les donner. Mais quand elle se galère, c'est... En fait, ma sœur lui en a pris un. Enfin, lui en a pris une, c'est une petite femelle. Elle a une copine qui lui prend un des mâles qui est tout blanc. Et normalement, quand tu marches sur la tête... Tu pointes des pieds sur la nitro, je crois que ça ne l'aide pas. Maintenant que tu le dis. Sérieusement? Je crois, faudrait essayer. C'est un petit gars. C'est soit Simba, soit Kovu, soit Oliver, je sais pas encore, j'arrive pas à me décider. En fait, celui sur lequel j'ai craqué. Mais sinon, je vais péter la mouche. Bébé, ta gueule! Oh. J'essaye là, je cherche des solutions. Comme les trois miennes sont stérilisées, en soi que ça soit un mâle ou une femelle, pas très très grave. Voilà. Et là il lui reste, si je dis pas de bêtises, trois femelles, toutes blanches. Mais galère un petit peu.
elle a eu 4 tout blancs, une blanche avec une petite tache noire sur la tête, celle-là c'est celle que ma sœur lui prend. Et moi c'est un blanc avec des petits tout petits grès, mais L2. Il est blanc, tigré, un peu couleur beige et cru. Donc c'est très très léger. Je t'enverrai une petite. Oh, mais je pourrais pas. Je comprends. Parce qu'il faut débloquer le bazooka ou je sais pas quoi. Pour partir vers le haut. Je sais pas, Tu vois pas de bazooka. Ah si. Un bazooka. C'est celui où tu débloques des capacités. Non, il n'y a pas de capacité. Ah si, parce que tu viens de débloquer le fait d'avoir le droit de faire ça. Oui, bah écoute, tu verras bien, au pire tu feras le refaire, hein, pour avoir le bazooka. Et si, ça lance des pommes. Ah mais si t'as dit croquette, moi je dis pas non. Hein. On peut pas les avoir sinon. Eh ben marche sur la pointe des pieds, qu'est-ce que tu me fais chier? Oh là 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 là. Aïe. Tu me fatigues. Et je te dis qu'il y a un bazooka. Ah écoute, tu montreras où il est ton bazooka. Ah, je vais te le montrer, tu vas voir. Il y a pas de bazooka dans celui-là, ça ne dit rien. Mais... enfin. Une piscine remplie de croquettes. Mais putain. On peut sauter, parce que marcher sur la pointe des pieds, ça fonctionne. Mais j'ai pas l'impression qu'on puisse sauter alors que... quoi. Tiens, ça y est, ça m'énerve. Ça laisse-moi tomber au pied. Je sais pas si on peut... Au pire, c'est un style bonus. Ouais, en sachant que tu peux pas avoir été du haut. Ouais, mais... pas très grave. Fait. Je saisis pas. C'est que je n'y arrive pas parce que je me pose une question de gameplay, tu vois. Et si je ne maîtrise pas le gameplay du jeu entièrement, ça me dérange. Par contre, se laisser tomber, pourquoi pas. Effectivement, ça marche. Faut bien vous dire que là, par exemple, vous voyez, on peut pas tomber. Comme c'est un niveau en 2D, bah effectivement, ça fonctionne. C'est du jeu. Ou alors il y a un super saut. Encore plus grand en capacité. Moi je me souviens d'un bazooka. Hein. Bah, moi je m'en aime dit rien. Big brain. Petite chouchou et petites croquettes. Après en soi elles sont pas difficiles. Pardon? Dans une grosse croquette, petite grotte, faut juste qu'elle soit bien. T'es vraiment en train de parler de nos chats là? Ouais. Non, les que ce soit des petites ou des grosses, ça le sent. C'est pas ça qui les dérange le plus. Peut-être que j'ai pas réussi à quelqu'un. Mais c'est plus des croquettes. Elles aiment bien les croquettes un peu vives. On parie quoi d'ailleurs sur pour le bazooka? Moi ça me dit si jamais rien. J'ai raison. Rien du tout. T'as déjà fini le jour hein? C'était il y a longtemps. Faut pas que ça soit des croquettes sèches en fait. Trop viens voir par ici, espèce de sale éponge. Archi-chèche. C'est de l'archi chèche. Parce qu'on va t'exploser. Là, on a été en chercher un gros paquet de 10 kilos.
carrément à l'animalerie parce que celle de, des supermarchés, elle me les boude en fait. Parce qu'il n'y a plus celle qu'elle veut qu'elle ait vu. Ah, le beau chien. Faut que je reprenne la main. Et après, elles aiment bien, mais c'est les Ultima qui coûtent 7,50€ le paquet de 2 kilos. Ah oui, ça c'est quand même pas reçu. Comment te dire ? Je vais aller chercher un paquet Tom & Co. Elle me mange tout aussi bien. 22€ les 10 kilos. Préfère. Si tu en as, j'en veux bien. Après, je vais pas tellement. À voir ce que tu as. Là, je sais que j'en ai pris un petit paquet justement de la marque. De la même marque que j'ai pris pour les adultes pour mes chats. Et on verra bien. Il les mange. Là, j'ai pris ça, j'ai pris un petit panier. Alors moi, j'ai rien. Je lui ai pris des petites gamelles pour qu'il puisse avoir ses croquettes dedans et voir ce que je peux faire pour quoi que les chiens qu'elles viennent manger les siennes des croquettes. Et puis, il a pas de gamelles à picot. Là où elles, c'est des gamelles à picot qu'elles ont parce que c'est des morphalons. Gamelle à picot, hein. Je fais des bulles aussi. On est d'accord que si je reste trop longtemps, ça coule. Oh putain, qu'est-ce que je veux. Ce boss là, franchement, c'est le plus casse-couille. Pourquoi est-ce que je vais retrouver encore chez moi? C'est encore une fois, ça compte pas. Tout là! Sans voir rien avec la perspective et tout, c'est chiant. Ouais, mais là tu l'as pas touché en fait, t'étais trop loin. J'ai dit c'est con, tu étais arrivé en fait. Ah non, mais c'est pas de le speedrun, hein, c'est rien, je décède. Tu peux pas. T'es obligé de sauter au moins une fois toute sa vague. Le mieux c'est de le faire du deuxième à la troisième. Bah ouais. Une fois il fait du bleu, une fois il fait du vert. Pas ça. Vachement rapide entre le bleu et le vert. Bah en fait, de ce que j'ai compris, quand il fait du vert, faut pas sauter et il faut attendre qu'il t'envoie un bleu pour sauter. Donc, c'est comme ça que moi je le fais. J'ai l'impression qu'en fait les plateformes elles le font peur. C'est juste qu'on a peur parce qu'elles vont dans l'eau. Mais... Bonne nuit, Jouy. Bonne nuit, Chouchou. Combien de vies qu'on perd là-dessus ? Bon, je vais en perdre une trentaine. Peut-être pas le droit à l'erreur, je crois que... Il y a des bulles qui font que des fois t'as pas le droit de sauter.
sauter. Et la plateforme qui se serait Ouais. C'est peut-être le boss le plus dur. Sans qu'après c'est, c'est celui de feu où il t'envoie, tu le bats dans une mine, je crois. Il y a une histoire de chariot, il t'envoie des trucs. Donc peut-être avec un des crashs de trilogie. Puis on savait qu'on allait perdre des vies dessus. Donc, clairement. Oh, c'est bien. Je vais essayer une fois que tu te. Regarde un peu. La plateforme elle sera enfoncée au moment où ça arrive. Ben, j'ai l'impression. Seul quoi, donc ah, j'ai essayé en me disant que ça se trouve en sprintant. Là on a pendant encore les deux avant. Donc à partir d'ici déjà. Ah là 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 là. C'est typiquement le boss infernal que les mecs ils ont fait le jeu, tu vois, ils ont dit bon tant pis, il a un peu retort mais ça va. Je perds carrément vie sur lui. Les autres boss te plaisent encore. Hein, les plateformes finissent par tomber. Hein. Ouais, je vois ça. Ça a pilé, là. Faut vraiment par contre rester un bon moment.
pas trop chiant tout ça. Ouais. On va rester quand même plus longtemps que les autres fois en fait. Alors les buis font tomber la forme. En fait les buis ça t'empêche pas de sauter. Ah, tu peux sauter deux fois plus haut. Voilà. Il y a un truc, mais moi je suis quasiment sûr qu'il y a pas de bazooka. Ça ne dit rien. Et n'empêche, on en aura chier sur ce bout. On a perdu quasiment toutes nos vies. Tu me ridiculises devant mes sous-fifres. Non seulement tu as vaincu les masques des éléments, mais tu récupères encore ces satanés cristaux. Tu as fait du chemin, mais tu n'iras pas plus loin. Pyro, si, le masque du feu s'en assurera. Ah bah... C'est un peu con. Elle va être belle, la nuit. Ça suffit. Je n'ai pas besoin d'un fichu masque. Je peux me charger de Crash tout seul. Crunch, tu vas m'obéir. Qui va aller en soirée, et puis le lendemain, quand il faut Pyro, aller au boulot. Vous allez vaincre Crash et ses horripilants petits amis. Quand t'as 3-4 heures de dos... Ah, tu fais ta journée de boulot, hein. Mais quand tu rentres, t'as qu'une envie, c'est dormir. Ah, oh, c'est le masque du feu. Ouais. J'aime bien celui-là parce qu'il a beaucoup de trucs... Il y a des... Je crois que c'est dans celui-là où c'est... il y a des mondes dinosaures. Il me semble que mes pères... La bouche à pipe. Avec toi, mon petit ami orange, mais je ne vois pas trop. Avec des dents... Il fait chaud ici, non? Est-ce bien prudent de porter cette fourrure? Elle a l'air... inflammable. Inflammable. Bon, quelqu'un pour me faire un don de 45 euros, j'ai besoin d'une autre boîte de commando. C'est terrible. Tiens, la session de vendredi, c'est encore la préparation avant la bataille finale. Non, vendredi, c'est la bataille finale. Ah. Je parle comme un chien, mais ça se trouve, j'ai des archives. Là. T'avais qu'à mieux écouter quand même. Ouais. Putain, enfin. N'étais pas au courant, moi, connard. Eh ben... Fallait l'être. Merci. D'ailleurs, faudra que tu veux aussi prendre toi. Bah oui, bah je me suis noté. Je suis en train de réfléchir. Voilà, pour le soir, quand les enfants vont coucher. Hein? Oh, je reprenne le boulot. Soit on attend que les enfants. Que j'ai repris le boulot et que les enfants, comme là, ce sera quand les vacances, ils iront un peu chez mamie. Et... Pour l'instant, ça va pas durer 200 ans non plus. Je... Enfin, ça risque. En fait, ce qui est le pire dans tout ça, c'est que ça durera pas longtemps pour la portée du joueur. Parce que là, c'est quasiment que du combat. Mmh.
même Angela va faire du combat. Oh. Non mais ils ont jamais fait de combat. Mais... T'as des combattants déjà, ils sont comme... Pour rajouter du fun. D'accord. Il y a combien de monde d'ailleurs dans ce truc ? Il y a le monde bonus, mais alors je sais pas comment faire pour déverrouiller. Monde bonus, quel mot tu veux dire ? Je crois qu'il y en a 4 ou 5. Oh, c'est pas impossible, je crois que t'as 4 masques. Après, c'est pas impossible que t'aies un autre monde pour battre le grand masque et Cortex. Bah ça, c'est la fameuse route qui tue. Permet de récupérer ce que même. Mais du coup tu récupères pas le grand. Ah bon? Normalement ouais t'es baisé. Ah ouais? La pute. Ouais. Oh putain. C'est quoi? Souvent celui-là il est situé quasiment à la fin du niveau exprès pour que tu puisses casser les caisses nitro et le faire après avoir récupéré le diamant fil. Ah ouais? Mais t'as été trop vite, j'ai pas pu te stopper. Nobody can stop me. J'ai pas réussi à te stopper. Eh ouais. Ça c'est parce que je suis inarrêtable. Moi tu m'as dit c'est un chemin qui tue, j'ai fait j'y suis allé. Pourquoi tu l'as fait? C'est comme une boîte ou une carriole qui tue, moi j'aime bien. Hein. Seulement 120€. Je pense que Coco il s'est endormi. Ou il a coupé. Ou il fait comme moi, il laisse le live et il s'endort devant. Des fois il, t'sais, il dit je m'en vais. Salut à plus. Et une heure après, il arrive. Oh, finalement, je vais faire du blanc. J'ai pris quoi du coup de l'extension d'Alien? On sait que c'est septembre, je crois. C'est pourquoi? Parce que les illustrateurs sont malades. D'accord. Pas décision. Les dates à pas 60€ à me filer, j'ai une boîte de commando à t'acheter. Non, non, bah non, bah. J'en ai d'autres à acheter. T'es obligé parce qu'avec les nouvelles règles, je suis baisé en fait. Hein? Oh, j'achète plus d'orques. C'est ma dernière grosse commande. Point 4.
bravo. Bah ouais, mais en fait, le fait que j'ai un double saut, ça m'empêche de... peut-être d'appuyer, de rester appuyé pour rebondir fort sur une caisse. Des fois, je le faisais en plein air. Sauf que maintenant, quand je le fais, bah il saute ce con. Bien joué, Milou! Gaga. Oh, tout le monde. Ne saute pas sur les têtes de mort. J'ai dit non. Sinon, je m'en vais. Je peux m'en aller. Ah. Oh! Sérieux? Oh non non! Yamelo! Dégage toi! Ta magie! Pour les salopes! Hein. NTNT. Oh. Ça coupe une TNT. C'est censé être le vrai chemin, tout ça. Magnifico. Je vais aller me coucher parce qu'à 7h du matin je me lève. Je fais le prochain stage. Tier 2. En plus c'est Coco. Il est en beauté. Parce que bon, si jamais je finis trop de stages, on va te clasher en disant oui, c'est du deck à tout faire. J'ai jamais vu un poisson combattant dans un comme ça. C'est un peu ça, Step Magician, I'm stuck. C'est vraiment scandaleux. Oh là 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 là, là. La perspective, c'est de la merde. Oh là là là. J'ai glissé, chef. Ah là là là. C'est de la merde. Qui me manque et mode de gros. Sur le côté.
T'as vu que t'avais loupé des trucs derrière ? Pour le stage bonus, il y a un endroit où il y a des vies apparemment et on les voyait quand on était là et on les voyait pas quand on était là-bas. Ouais. Pas sur le poisson. Mais non, mais c'est en le virant, en le tirant comme ça, comme ça. De... Brun. De toute façon, j'ai déjà perdu une caisse. Donc allez, hop. Tout ce qu'il faut. Bon. J'en ai marre. Pascal. Bubule ne veut pas se laisser faire. Bubule veut se battre. Bon, ça sera pas dans le moment, mais... Stress. Oh vache, je te sens. T'es en Dax. Coucher parce que sinon demain ça va être compliqué. J'adore les bandicoots. Bien cuit. Ouais. Oh putain. Oh c'est bidou. Allez déda. Allez déda. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est bien fait. Putain, c'est un trou. Et je suis l'ombre. C'est pas grave, c'est au mieux. Pharmacie, enfin, c'est pas le système solaire de nos Europe de l'autre. À le tamponner sur le deuxième qui a essayé de jouer quoi. Mais casse-toi bordel de cul. Oh, on va faire polluer le cigare à moustache, merde. Non mais là où ils ont eu les quenouilles. Ah oh, tiens, c'est même trois. C'est que ce dans le système de la pharmacie. Ils ont eu des quenouilles. Ah, nice. T'as des quenouilles. Avez-vous vu les belles quenouilles? C'est bien ça.
tellement vieux que son ancien... Même Antoine Daniel, il regrette d'avoir dit ça parce que... Tout quoi. Des conneries. Et en fait, tout ce qu'il disait dans What the Cut... Ouais. Dans toutes ses citations, toutes ses phrases, il en a marre parce qu'on n'arrête pas de lui répéter en boucle. Ah mais les connus... De la manière que je suis léger, il comprend pas trop quoi lui dire genre les développeurs ont pris de la drogue alors qu'en fait il a géré ça. Ah, il y a des développeurs, ils ont de l'emprunt. Au bout de ce qu'ils ont fait, ils ont dû. Comment t'es censé éviter celui-là? Comment t'es censé éviter celui-là de la gauche là? Il n'y a même pas de frein. T'as vu le coup de là? Pas de frein, on est censé faire comment? Oh putain. Oh mon dieu, mais qu'ai-je fait? Pourquoi est-ce que j'ai dit que je voulais faire ça avant d'aller... pour être détendre et jouer à Diablo 4 là. Même si tu relâches l'accélérateur. Un fil de fin. Bah j'ai pris le truc vert. Ça changera jamais hein. T'arrives à sauter au-dessus du trou. Mais pousse-toi de là! Le problème c'est que tu passes ton temps à cogner contre les autres en fait, donc bah, tu perds de vitesse et pendant ce temps-là le problème il arrive aussi. Il faudrait que tu arrives à ne pas tamponner les autres, tu t'aimes pas prendre des caisses effectivement. Quand t'es à pleine vitesse en plus tu... Oh putain! Oh c'est horrible! C'est horriblement...
Et nul à chier. Je prendrai jamais la volonté. Si, j'ai un peu de volonté dans un jeu de plateforme de mettre des mini-jeux. C'est dans ces moments-là où tu te dis que le jeu de course Diac était pas si mal que ça. Et même les stages en voiture, vaisseau volant, là, c'était pas si mal. Non, c'est juste que là, je suis loin de la bagnole, Amy, mais apparemment, je la touche quand même. Le problème c'est ça, il y a des putains de trous qui font la moitié de la route, des fois tu passes à travers, des fois tu passes pas à travers, et t'as pas le temps de les voir, t'as pas de frein. Y a pas de frein les gars, y a pas de frein à main, y a rien, en fait, c'est t'appuies sur un bouton, tu tournes. Y a un taco. C'est... Ah là je suis passé au pion, c'est bon quoi. Là il va me faire chier. C'est un stage de merde. Ils auraient pu se cantonner de faire juste de la plateforme. Non, non, ils ont voulu mettre de la diversité. C'est chiant en fait. J'ai horreur de ça. Hein. Même dans un FPS, quand tu me demandes de faire des phases de plateforme, ça me casse les couilles. Dans un jeu de plateforme, quand tu me demandes de faire des courses, ça me casse les couilles. La voiture du Blade, on est carrément. Toi, c'est quand tu les touches hein, que tu perds la vitesse, mais eux non. Hein. Après, c'est en mode. Là, je vais gagner parce que je suis passé en mode déjà à vous. Ah ouais, non, mais c'est relou. Je déteste ça. Hein. Regardez dans Donkey Kong Country. Comment je pétais des plombs quand c'était des stages où le gameplay n'était pas de la plateforme et on perdait toutes nos vies dessus en fait. Et même le 1 que je trouve pas trop pute à ce niveau-là, les chariots de la mine, qui cassent les couilles à tout le monde dans les Donkey Kong Country, c'est pas de la plateforme entre guillemets. Bref, du coup il faudra faire celui-là, à l'électrique, en fait techniquement ce sera le dernier monde et il sera déjà fini. Et t'as un truc niveau bonus où tu peux monter, mais je sais plus. Quand je regarde comment. S'il faut choper toutes les gemmes. Regardez. Après, peut-être qu'ils comptent dans 100% les angles, tout ça. Allez voir. Doom, ça te les casse. Non, parce que Doom, les phases de plateforme dans Doom sont guidées en fait. Et tu peux pas, voilà, à part dans le tout premier où à un moment la tour argent, là, le tu vois, monter vers le haut, enfin monter tout en haut de la tour argent là. Des moments où c'est un petit peu chaud patate. Pas quoi. Pareil, dans Duke Nukem Forever, quand il y a des phases de course, je dis rien. Ça va. Du coup, on sait pas quand est-ce qu'on relance. Peut-être demain, on verra. Demain, franchement. Sur ce, bonne soirée à vous. Bonne nuit les gens. Ciao, bonsoir.